Ieri al Cinema Anteo si è svolta la presentazione ufficiale del film Simon Konianski, alla quale è intervenuto il regista del film Micah Wald. Mais je pense qu'il y a une volonté dans la troisième génération des jeunes juifs, on va dire ma Sì, è génération, la vero, génération io après appartengo la alla terza Shoah, generazione di giovani de se ebrei réapproprier dopo la Shoah l'histoire che de hanno, nos ha cercato grands-parents, di riappropriarsi della mais propria une certaine storia, pudeur, però c'è un certo pudore, perché comme per i je pense, nostri on n'a pas été en genitori è stato contact directement avec diverso. cette Loro histoire, si mes confrontavano parents con i ont miei vécu avec nonni des parents che traumatisés qui ne parlaient avevano pas, ça a été vissuto très difficile questa, pour eux. parte, questa vita Nous, on a terribile, la questi chance d'être episodi nés terribili, e quindi si trovavano dans di des familles bien fronte a delle grandi intégrées où tout se passait sofferenze, bien, dei i parents grandi avaient un travail. mutismi. Noi invece abbiamo Voilà, avuto, du coup, on se était vuole, delle plus famiglie apaisés par quasi rapport à ça. normali, delle On est quand même persone très che curieux de lavoravano, s'affronter à quindi cette histoire, mais c'è questa voglia j'ai di l'impression, confrontarsi, voilà, ma que ce comunque soit, c'è encore une anche fois, una j'ai pas lu distanza le che è livre, stata parce que presa. je Io voulais non ho pas le letto il lire libro, pendant que mi je ricordo préparais ad le un film, minuto, ça me so gênait un bene di peu que che ça me cosa si perturbait tratta, moins, però non mais l'ho fatto perché je non voulais volevo de quoi farmi influenzare in questa il storia. s'agit, Ho preso on m'a raconté, tout tutta la ça. questione Je vois un bien po' qu'on di a envie sbieco, però de è se frotter vero à che cette sullo histoire, mais par la sfondo bande, c'è par le côté, ci sono i au coin, campi, petite c'è la storia histoire qui a della l'air nostra beau et tout ça, et puis cultura, ce e sapere texte, on a tout come le, possiamo beh, continuare, que ce soit les convivere con ponts, questa ou que ce soit cultura. la disparition de la culture yiddish en Europe centrale, ouais. Je pense que Woody Allen, ce n'est pas le centre de son cinéma. Woody Allen, c'est plutôt. Ça a toujours été. Comment dire. Tous les troubles d'un Io credo intellettuel comunque che juif new-yorkais, l'aspetto en yiddish non background, sia al les origines centro di Woody del Allen, c'était cinema di surtout. Woody J'ai Allen. l'impression Woody surtout Allen è un focalisé sur intellettuale ebreo ses rapports avec les newyorkese e femmes, il ses suo rapports cinema è avec la un cinema célébrité, incentrato avec sul la rapporto con le donne, littérature, il avec rapporto con la Bergman, avec toutes ces letteratura, Bergman, la fama. choses-là. Non è C'était pas le il sujet central principale tema la cultura yiddish de ce e film. in realtà nel mio Moi ici, je film pense que io mi pongo la domanda: c'était cosa vuol le sujet dire vraiment essere du film, ebreo c'est quoi oggi, être juif essere aujourd'hui, ebreo a 30 anni? c'est quoi être Che senso ha c'est questa quoi être juif à eredità? 30 ans, donc Perché la trasmettiamo? quelqu'un de la troisième Per chi génération, la est-ce que ça a encore du sens dans trasmettiamo? notre E société? poi è vero Qu'est-ce qu'on che i fait avec film cet Woody Allen héritage sono de nous pieni di apporter? umore, è un Qu'est-ce umore qu'on molto transmet? sofisticato, un Pourquoi umore on transmet? newyorkese Moi, che c'était ha ça qui dietro m'intéressait. tutta la Et psicanalisi. c'est sûr Io ho que, altre oui, je radici, i voulais miei faire ça genitori sous le sono mode de degli la comédie, artigiani, comme erano Woody degli Allen le fait, intagliatori, mais quindi gente molto più j'ai semplice. l'impression que lui, il a un Per humour quanto beaucoup plus riguarda sophistiqué, Truffaut, beaucoup plus. Parce qu'on vient pas du même il milieu, personaggio di Antoine c'est New Doinel York, c'est la mi è piaciuta psychanalyse, l'idea che ci c'est les potesse produits essere juifs et tout ça. Moi, je qualcuno viens, che mes grands-parents attraversa étaient insieme tailleurs, a noi j'ai delle des petits fasi della artisans vita qui e sont che arrivés si dans le milieu. pone le Moi, stesse j'ai vécu dans un domande endroit in plutôt fasi populaire diverse della vita. où Per esempio, non so, io quando bah, ero la più question giovane était mi peut-être plus domandavo simple. perché non voglio Alors uscire maintenant, con pour le Truffaut ragazze et pour ebree perché Antoine mi Hanel, interessano altri. Adesso mi oui, chiedo ça, cosa ce qui m'intéresse, trasmetto je me a dis, c'est mio une manière de, figlio à chaque della stade de nostra ma vie, cultura. Non voglio de trasmettere me gli stessi proposer une orrori question, che insomma ha dans trasmesso mio laissez-moi la padre a me, question, però nello c'était. stesso tempo non vorrei che poi mio figlio a un Je certo suis pas, punto je ne sors pas avec des juifs, scoprisse queste cose e pourquoi je suis pas diventasse attiré par des juifs, pourquoi je veux pas iperreligioso. sortir avec une fille qui ressemble à ma cousine. Et là maintenant, c'est j'ai un enfant, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je transmets? Mon père m'a rien transmis, que des horreurs, qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils? Et peut-être que dans 10 ans, je me dirai, mon fils veut faire sa bar mitzvah et il devient religieux, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Sauvez-moi. Et voilà, ça c'est là où je trouve intéressant la série à Antoine Doinel.